Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, vous le savez, c'est juste pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière et voulons tout savoir quand ça se passe, pourquoi ça se passe, et tout ça sans l'endoctrinement et la manipulation et les cachettes. Ça, il y en a beaucoup, malheureusement, dans la langue de Molière, dans les médias de la langue de Molière, surtout la presse internationale. Ça, c'est une belle bande de joyeux lurons qu'on salue. Chers amis, 15 mai 2019, 7h13, tempête géomagnétique puissante en train de frapper la Terre. La Terre vient d'être frappée par la tempête géomagnétique. Je pense que c'est... Attendez. Je voulais voir quelque chose. C'est la cinquième CME, tempête géomagnétique, dirigée vers la Terre depuis le 6 mai. La Terre vient d'être frappée par la tempête géomagnétique la plus puissante de ces dernières années, de troisième niveau sur une échelle de 5, a affirmé un spécialiste de l'Institut de physique Lebedev de Moscou. La magnétosphère sera perturbée jusqu'au soir du 14 mai, donc ça c'était hier. Et on a vu le tremblement de terre majeur, entre autres, et des tempêtes partout. L'orage magnétique le plus fort depuis un an et demi, voire deux ans, vient de frapper la Terre, a déclaré Spoutnik, le chercheur en chef, le chercheur en chef de l'Institut de physique, Lebedev de Moscou, Sergueï Bogachev. Il a souligné que la tempête était liée à l'activité solaire. C'est un orage de troisième niveau, alors qu'il y a cinq niveaux sur l'échelle. Les tempêtes du cinquième niveau sont très rares. Elles se produisent une fois toutes les 10 à 20 ans. Le phénomène porte un caractère planétaire, c'est-à-dire qu'il est enregistré sur toutes les longitudes géographiques. Des fluctuations du magnétisme terrestre étaient attendues, mais elles ne devaient pas dépasser le premier niveau sur une échelle de 5, indique le site Internet de l'Institut physique Lebedev. L'augmentation de l'activité solaire a commencé à 5 heures du matin, heure de Paris, le 14 mai, et durera jusqu'au soir. La normalisation du champ magnétique terrestre n'est pas attendue avant la nuit. L'orage magnétique menace d'augmenter le nombre de sorties d'orbite des satellites et des engins spatiaux. Ce phénomène provoque des aurores boréales et perturbe les radiocommunications. Même si c'est vrai, hier, j'avais dans la voiture, je fonctionne avec la radio qui fonctionne à tour, hein, qu'on appelle radio satellite, mais c'est juste des transmissions de tour à tour, qui s'appelle... Sirius, si vous pouvez vous mettre la main là-dessus, ça coûte à peu près 60 $ par année. C'est vraiment intéressant. Tu as la meilleure radio des centaines de chaînes sans la publicité. Même si le phénomène... Et ça avait beaucoup de difficultés à rester stable hier. Et même moi, j'avais beaucoup de difficultés à respirer hier. C'était très étrange. Et aujourd'hui, je me sens bien, mais hier, je me sentais mal. Donc, le magnétisme, ça a une influence sur notre santé aussi. Et... plus qu'on le pense. J'en ai déjà parlé, puis j'en reparlerai de ça. Même si le phénomène a passé son apogée à 12h10, les personnes sensibles aux intempéries doivent rester vigilantes, a souligné M. Bogachev. Voyez-vous les personnes sensibles aux intempéries solaires? Parce qu'il y a aussi une incidence sur la santé. Très important de retenir ça. Donc, on peut voir ici l'indice géomagnétique du seuil, tempête géomagnétique modérée, a atteint à 5h45 le 14 mai, suivi de l'indice de la forte tempête géomagnétique, la force des vents ici, hein, qui se dirige vers nous. Et l'augmentation de ce magnétisme. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est les fameux solar X-ray flux, le flux des... rayons X solaires, des Plutons et l'activité géomagnétique. On voit une forte augmentation. Quand même une stabilité dans le magnétisme, les rayons X, pour l'instant. Donc, cette arrivée est prévue à partir du 10 au 15 mai. On a vu toute l'activité qu'on a pu... avoir au cours des 4-5 derniers jours au niveau de l'activité sismique, hein? Voyez-vous, la corrélation de tout ça, c'est vraiment plus qu'évident.
Donc, l'arrivée d'un troisième CME, une auréole partielle à partir du 12 mai, est attendue pour le 16 mai, entraînant une amélioration supplémentaire et des perturbations. Donc, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On est loin. C'est loin d'être fini. On peut voir ici hein, cette fameuse explosion. Solaire. Donc, chers amis, on la voit ici aussi sur Soho. On peut voir l'explosion ici et les rayons et les vents solaires qui s'en suivent. On voit très bien l'explosion ici. Quand même majeure. Et même si ce n'est pas des tempêtes extrêmement puissantes, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans l'affaiblissement de la magnétosphère de la Terre, il y a aussi, dans le grand minimum solaire, l'affaiblissement de l'atmosphère du Soleil, qui a beaucoup, beaucoup de trous dedans, hein, des trous coronaux, et comme le Soleil ne retient pas parce qu'il est en période de minimum, ses explosions et son magnétisme, ben, c'est tout relâché, et ça s'en vient vers nous. Hein, on peut le voir ici très bien. Le flux continuel de cette attaque. Très bien illustré ici. Très, très bien illustré. Donc, on n'a pas fini d'en avoir. Il y en a moins en minimum solaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Soleil ne les retient pas. Les retient pas et nous, on est en affaiblissement en plus de la magnétosphère et on va avoir beaucoup d'actions, je vous l'ai dit, le printemps qui n'est pas là, mais qui est là dans les dates et l'été vont être des plus difficiles. Espérons qu'on se rende à l'automne, mais une fois rendu à l'automne, c'est pas sûr qu'on se rendra au printemps qui suit. Je vous reviens.